Ouais, faites gaffe, parce que si un jour vous voulez avoir des visas, machin et tout, il faut prouver que évidemment t'es en couple avec la personne depuis un certain nombre de temps. Et si t'es paxé avec ton pote, c'est difficile de dire que t'es en couple avec une meuf, mais en fait t'es paxé avec un gars. Genre, ouais, je suis en couple depuis 10 ans avec cette personne, du coup je veux aller avoir un visa, mais pourquoi t'es paxé depuis 6 mois avec ce débile? Non, mais rien à voir, c'était pour payer moins d'impôts. Ok. Voilà, ça et tout plein d'autres choses. Et savoir que même si tu le fais pour rigoler, si jamais un jour tu veux vraiment te marier, genre même les mariages à Los Angeles, tu sais, les mariages de merde avec Elvis Presley à la place du prêtre, ce sont des vrais mariages, donc en fait faut divorcer si jamais un jour tu veux te marier. De quoi? À Las Vegas, pas Los Angeles, ouais, pardon. Et si jamais un jour tu veux vraiment te marier pour de vrai avec quelqu'un, t'es obligé de divorcer. Donc faut faire gaffe avec ce genre de truc. Mariez-vous avec vos potes uniquement si vous comptez vraiment faire des bails avec vos potes. Voilà, c'était le disclaimer. Mais ouais, c'était une blague qui était partie un peu loin. Jilcy l'a fait. Ouais, bah c'est exactement cet exemple-là que je prends parce que je me souviens de la vidéo avec Lena Situation. Elle lui fait. Mais non, non, mais là c'est un vrai mariage en fait. Et j'étais allé regarder. Au moment du Pax, en fait, enfin au moment du Pax, au moment où il était question de faire cette vanne-là, et parce que moi j'étais trop dans le truc de dire on va se mettre bien. Moi voilà, j'étais trop dans le truc d'envoyer un message à la pote, enfin à la mère de mon pote, en mode selfie, en mode ouais, on est à la mairie, on vient de se paxer, mais elle m'aurait fumé, c'est sûr. Bon, les amis, Zelda. On y revient. Alors, les Zelda Breath of the Wild, je n'y arriverai jamais, je vous le dis, je n'y arriverai jamais. C'est Tears of the Kingdom, mais j'y arriverai pas. Breath of the Kingdom. La dernière fois, on s'était arrêté à cette île-là. On s'était arrêté à cette île-là où j'avais sauté là et il y avait le fameux parcours dans les airs là qui était très cool. Et j'ai réussi à récupérer cette nouvelle combi que je trouve ultra stylée pour le coup. Où il y a un pagne. Regardez-moi ce pagne incroyable. Oh, le pain qui gigote. Ouh. Ok, pardon. Là, on avait récupéré pas mal de trucs dans le gacha. On avait fait le petit temple ici. Et là, apparemment, il y a une noix de Korogu. Donc, on va faire ça. Et puis, on va continuer d'avancer vers le royaume Piaf, vers Ebra. Et je crois que le dernier truc que j'avais fait en date avant ça, c'était d'aller faire la mission avec Impa. Dans laquelle on était allé voir ces espèces de structures-là, et j'avais découvert pourquoi le jeu s'appelle Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. Eh bien, parce que y a des larmes en fait dans les dessins qui sont des espèces de souvenirs. Où, en fait, je crois avoir compris que Zelda a été renvoyée dans le passé, et donc il va falloir essayer de la chercher et de la ramener, etc. Voilà, voilà, vous avez un peu l'idée. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire là. Il fallait sauter. Alors, pardon. On est parti. Ça s'est pas déclenché. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Allez, vas-y, c'est pas grave. Alors, où est-ce que je veux aller? Impa de Charlie la chocolaterie? La même. Faudrait que tu fasses des sanctuaires aussi, il te faut de l'endurance. Oui, alors c'est vrai. D'ailleurs, on va peut-être faire ça. Impa Loompa, ouais. Impa Loompa, c'est lui? Non, c'est pas ça. Le marsupilami, non, c'est pas ça. Mais oui, c'est les Impa Loompa, bien sûr, les eux-mêmes. Il me faut plus d'endurance et plus de cœur. Et finalement, d'ailleurs, il faut que je le fasse parce que j'en ai assez. J'en ai assez des boules de sanctuaire, je sais pas comment on appelle ça là. Et il faut que. Alors, je vais aller voir sur la map. Je vais pas du tout au bon endroit. C'est quoi ça, les larmes du dragon? Ouais, c'est pas. Ah si, c'est en Ebra. Attends, mais Ebra, c'est où? Ebra, c'est tout à gauche, c'est tout à l'eau, c'est vraiment tout 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 à l'ouest ou c'est nord-ouest, genre. En fait, on va suivre cette route. C'est ça qu'on va faire. Le mont Rohan. Le mont. Ah non, Roham. Oh putain. C'est sire, les feux de l'alarme. Le Gondor appelle à l'aide. Et le Rohan répondra. Désolé, pardon. Si vous avez la ref de ça, vous êtes un goat, hein, bien sûr. Il te faut plus d'endurance, c'est ce qu'elles me disent toutes. Les cavaliers du Rohan, voilà, bien sûr. Donc, moi, ce que je cherche là, c'est un point de téléportation. On va peut-être prendre un raccourci, hein. Le raccourci est là, ici, là. Ah non, mais il y a un énorme blague. Ouais. On va se TP plutôt ici, là. On va aller là. On va essayer d'aller tout droit.
Va faire les piaf. Ouais, justement, je vais aller faire les piaf. Alors, attends, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est bon. Va faire les piaf. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est juste récupérer un truc pour pouvoir me TP. Comme ça, on avance, on se régale. Laurent, c'est ma contrée préférée de... C'est une certaine zone. Trop bien. J'ai quelqu'un dans ma classe, il dit qu'il préfère la patte patrouille aux animés. Que les animés, c'est claqué. Quoi? Patte patrouille. Mais il a 6 ans et demi. Continue par la route, beaucoup plus simple, ok. Miaou! J'ai un Korogu, je vous le dis, franchement, j'ai un Korogu. Je vais en doubler un. Un jour, si je suis connu, si je deviens vraiment connu, genre si je perce, le premier truc que je veux faire, si je dois, si on m'offre du boulot, c'est de doubler un Korogu. Je sais pas pourquoi. Et qui c'est qui cherchait un point de TP? C'est Bibi! Allez hop. Donc comme ça, je prends le point de TP. Je fais le sanctuaire. Je résous le sanctuaire parce que j'ai un QI supérieur à la moyenne, bien sûr. Ensuite, je retourne voir la statue de la déesse qu'il y a, je crois, au village. Je récupère de l'enduduc et du cucker. On revient là, on fait la route, on va au piaf. Le titre n'est pas mensonger. Karna se désabonne pas. C'est bon pour vous? Ça vous va comme déroulé? Je peux t'arranger, je connais le doubleur des Korogu. Je te crois pas. Attends, mais par contre, si c'est vrai, je veux le contact. Et pour le prochain Zeldo, je veux doubler un Korogu, je vous en supplie. Je vous en supplie. Si jamais tu lui envoies mon let's play de Zelda Skyward Sword, j'ai fait toutes sortes de voix. J'ai fait 60 heures de let's play avec du voice acting de Zinzin. Donc je suis chaud. Ça se trouve, c'est le dernier Zelda de tous les temps. Oh non. Écoute, c'est pas vrai. Bah écoute, c'est pas vrai, mais la vie que je vais demander. Vise bien et transperce l'ennemi d'une flèche dans la tête. Aucune autre attaque ne sera efficace ici, prépare-toi. Ok, j'ai des flèches? Le Korogu malade, mais comment ça, le Korogu malade? Vous êtes des oufs. Bravo! Allez les gars, le projet Korogu est lancé. Le projet Korogu est lancé, je vais doubler un Korogu. C'est bon. Oula! Ne crains pas les ennemis qui t'assaillent et transpercent-les tous d'une flèche dans la tête. Très bien, très bien. Ok, moins un. Oh merde. Oh. Oh là là, le. Oh, le joueur Valorant ici. Ok. C'est scandaleux, hein. Suis trop fort en fait. Fais une cagnotte dans ta bio pour doubler les Korogu. Sur la vie de ma mère, je veux t'aider. Non mais arrêtez, je vais lancer un crowdfunding les gars. Non mais en plus le problème c'est que le crowdfunding il va durer pendant 10 ans parce qu'il faut qu'il y ait le prochain Zelda qui sorte quoi. Il faut qu'il y ait le prochain Zelda qui sorte. On va lancer un GoFundMe. Il va durer environ 15 ans. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai jamais vu une aim aussi horrible de toute ma vie. Quoi? Je suis Wartek, je suis Anil Wartek les gars. Je vous laisserai pas parler mal de mon aim, vous êtes des oufs. J'ai l'aim la plus flinguée de France. Bah voilà, nickel. Allez, je vais faire un GoFundMe. Non mais attendez. Un GoFundMe ou un lien Ko-fi ou Ko-hi, je sais plus comment ils disent. Ah, le compartiment arc est plein, on va justement en profiter. Hop là. En fait, j'ai des idées de trucs, mais... Et pourtant, j'ai vu Pormanov. J'ai vu Jean Pormanov jouer à Kov. À Kov, c'est qui Jean Pormanov? Je t'achète un soundboard, tu mets les trucs des Korogu. Oh, je suis mort. Tu connais pas JP? Non. Attends, Jean Pormanov? C'était pas le gars avec des lunettes, là? Le pote de TK. Ah non, mais je regarde pas TK. Ah voilà, non, je regarde pas du tout TK, je consomme pas son contenu, c'est pour ça. Le seul truc que je connais de... Voilà, en fait, de TK, je connais... Putain, attends, c'est quoi? Il y avait un gosse, là, sur Fortnite qui lançait des dingueries, et c'était trop drôle, j'avais vu un TikTok sur ça. Il y avait... Le My Big Burger, là, quand il mangeait des burgers, c'était hilarant. Le poulet est tendre!
Oh là là les gars, ça y est, on va. C'est bon, hein, c'est lancé. Hein. Moi pour ma part c'est lancé. Je peux vous dire qu'on va juste doubler des Korogu en fait. Hein. Le mode zombie ça déchire. Ah voilà, c'est le mode zombie ça déchire. Vladroll il bégayait. Il a plus de dents, ça m'a tué de rire. Le mode zombie ça déchire. Ouais voilà, c'est ça. Ah oh, putain, le mode zombie ça déchire, incroyable. Et je crois qu'il l'a recroisé ou un truc comme ça après. Enfin putain, mais l'histoire est folle. Alors on va aller juste mettre de l'endurance là. Hein. De l'endudu. Les dons sur JP ça me fout droit vraiment. Ah ouais? Ah faut que je regarde alors. Et là la statue elle est dans le sous-sol. Hein. Elle est dans le sous-sous. Hop là. Attends. Attendez, mais je suis con. Je suis complètement. Mais je suis sous potion ou quoi là? Ah non, voilà. Oh! J'ai cru que j'avais complètement halluciné la présence de cette statue là. Ils mettent des blasts genre la sodomie. Oh putain, mais. Oh, je me suis fait. Ah ouais, là, je me suis fait avoir. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. En plus, je fais tellement attention la dernière fois. Je lis les messages dans ma tête et tout. Oh, je suis vraiment con. Oh, je me suis fait tellement avoir. Ah putain, bien joué, bien joué. Ah, c'est fort. Il en faut 4. JP, à l'armée, c'est le seul qui est passé, qui est parmi jusqu'aux dents. Oh non! Oh, vous êtes des enflures! Oh, il y en a qui sont arrivés sur ce moment-là. Non, mais vous me tuez. Bon, alors moi, je vais prendre un cœur et de l'endurance. Je vais prendre un des deux. Enfin, un de chaque, pardon. Je suis si heureux. Ah, ça y est, vous m'avez eu. Ah, vous m'avez eu. Ah, là, je me suis fait avoir bêtement. Le son du jeu est assez fort pour vous ou pas? Ouais, oui, ça, oui, il est assez fort. Est-ce que le son de ma voix par rapport au son du jeu, ça a l'air ok? Ça a l'air, ouais, c'est bon, ça a l'air correct. Je vais peut-être mettre un peu plus fort à peine et puis voilà. JP, c'est le seul, ça va, tu peux lui laisser tranquille taper un croc dans ton taco. Oh, mais non. Vous êtes horrible. Tu t'es fait avoir, c'est le comble du bonheur. Ah non, mais là, je l'ai lu à voix haute, ça, c'est. Mais du coup, je. En plus, vous savez que moi, je me moque d'Amine et tout. Parce que Amine, ils font tout le temps ça aussi sur sa chaîne. Benzaï aussi, mais vous connaissez peut-être moins Benzaï. Mais Benzaï aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça sur sa chaîne. Genre, il y a des gens qui s'appellent Prine. Du coup, il dit merci. Voilà. Et il y a des gens qui s'appellent juste Tler. Merci. Vous avez capté, c'est bon. Et moi, je me disais toujours, mais comment est-ce que tu peux te faire avoir par un truc aussi bête que ça? En fait, c'est pas possible, tu vois, tu le lis le message avant de le lire à voix haute, quoi. Bah non. Bah non, apparemment. Son Pokémon, il peut pas lancer l'attaque morsure. Non, mais. Ah ouais, mais vous avez travaillé vos vannes en plus. Oh, vous me fumez. Par contre, oh les gars. Ouais, bien joué! Mais non, voilà, c'est bon, je me ferai pas avoir deux fois! Non, non, non! En parlant de porc caramélisé, en plus, la dernière fois, j'ai fait un truc trop bon. C'est du. En vrai, je vous le mettrai sur le channel cuisine si vous voulez. Là, je vous mettrai la recette, qu'on se fasse ça. Oh, comment c'était bon! C'était du poulet. Alors, en anglais, c'est honey garlic chicken. Du coup, c'est du poulet avec du miel et de l'ail. Alors, le combo a l'air bizarre comme ça, peut-être. Mais franchement, le combo poulet-ail, c'est une dinguerie. Mais je préfère le deuxième, hein, bien sûr, Jules, évidemment. Quelle question. JP, il croque que la fille a plein de dents. J'ai reçu une lettre qui me dit que je suis présélectionné pour faire partie. Oh, mais mon. Ouais, bah, c'est la période où mon. Bah, Mick a reçu la même. Alors, lui, il est suppléant. Mais c'est cool, du coup. C'est rare, en vrai, d'être juré. C'est juré d'assises, du coup. C'est ça? En vrai, c'est assez rare hein, d'être juré d'assises si jamais t'as l'occasion. Enfin, de toute façon, je crois que c'est une obligation en vrai. Je crois que c'est bel et bien obligatoire. Hein. T'as été tiré au sort, t'as pas le choix en fait. Allez à la revoyure! Ça me fait chier, j'avoue. Ah oui, là, c'est sûr. Ouais, c'est obligatoire. Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Oh les gars, alors voilà.
C'est exactement ça que je voulais voir avec vous. J'ai vu des trucs de ouf sur TikTok. J'ai vu des gens qui maltraitent les korogus. Et ça m'a fait hurler de rire. Rien que d'y penser, j'en ai plein le cul. Je suis mort. Alors attends. Alors vous voyez, par exemple, il y a des gens, ils prennent des propulseurs comme ça. Ou alors il y en a, ils font carrément des... Ah ouais, vous savez ce qu'on va faire? Attendez, il y a de quoi faire là ici. C'est chaud, un jour sans compter comme ça, on se mange un tacos ensemble, un truc comme ça, je te le paye. Bah faut être sûr qu'on soit déjà dans la même ville. À l'occasion, pourquoi pas, ça se discute. En général, je fais pas trop ça, j'avoue. Mais si on se croise à l'occasion, ça régale qu'on discute. Moi, je suis dans le sud de la France. J'aimerais bien faire un tremplin. Vous voyez un peu l'idée ou pas? Vous voyez ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Alors attendez, je pense qu'on va... Je sais ce qu'on va faire. Ça va pas... ça ne va pas... Non, tu ne vas pas lui faire ça au petit korogu quand même. Ah si, 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 je t'assure. Attends, regarde, tu vas voir. Alors, il faut que je... Attends, il faut que je reprenne mes esprits là. Voilà, c'est ça. Donc là, je veux attraper... Je veux attraper ça là. Je peux pas? Ah si. Attendez, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. Concrètement. Alors. Ouais, c'est ça. Non, mais on va faire ça. On va faire ça de ouf. Alors, attends, regardez, regardez bien. On va faire un tremplin. Ça va être incroyable. Hop. Parce que du coup, j'ai vu trop de trucs sur TikTok et ça m'a exterminé de rire. J'ai trouvé ça trop drôle. Yo Zewaz! Ça va ou quoi? Ah non mince, c'est pas ça que je voulais faire. Mince, je me suis trompé. Attendez, attendez, on recommence. Voilà, c'est plutôt ça. Là. Là, voilà. Là, voilà. Non, ça c'est pas ça. Il faut le faire mieux, il faut le faire mieux que ça. Je peux... Putain! Là. Donc ça c'est bon. Il va me falloir... J'ai cru voir un truc tomber mais non non non. Il va falloir que je fasse mieux. Alors attendez, on va essayer de trouver mieux. Il faut que je trouve encore des trucs à mettre. Pour que ça fasse plus haut. Oh, je peux prendre les... Oh, c'est dommage que je ne puisse pas prendre les modes de paille. Par contre, il y a ça. OMG, l'arme de destruction massive. Ah ouais, 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 non mais là, attendez, vous allez voir, ça va être un truc de ouf ce que je vais faire, je vous jure. Donc... est-ce que ça va le faire si je fais ça? Non, ça va pas assez basculer en fait. Ça va pas assez basculer, il faut que je trouve un autre truc. Tiens, c'est cool que tu soutiennes. Bah ouais, ça régale. J'ai trop de chance. Alors attends. Oh là! Oui, on va casser l'arbre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a une pomme dorée en plus dessus. Hey, merci beaucoup pour le follow. Merci. Alors attends, c'est Alienette. Ouais, c'est ça, c'est Alienette. Merci Alienette pour le follow. Ça régale sur Twitch. Bonjour et bienvenue. Installe-toi confortablement. Oh! Oh, Pegasus! Pegasus qui lâche son prime. C'est le cinquième mois d'abonnement. Incroyable. Bon là là, merci beaucoup. C'est elle qui a de la chance. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup. Merci Jeff. Bien sûr, Jeff Bezos. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, évidemment, on le rappelle jamais assez, hein, Amazon Prime, si vous avez déjà l'abonnement, ça veut dire que vous payez tous les mois et vous payez et vous avez droit à un abonnement gratuit sur Twitch à une chaîne de votre choix. En général, il vaut mieux évidemment privilégier les petits streamers qui ont un peu moins de moyens et que ça aide beaucoup plus. Donc en fait, quand vous prenez de l'argent, quand vous claquez votre Twitch Prime sur la chaîne d'un streamer, eh bien, vous prenez de l'argent directement de la poche de Jeff Bezos et vous la mettez délicatement dans la mienne.
Et ça, c'est un vrai plaisir parce que ça me soutient et ça me permet d'avancer dans mes projets divers et de vous donner du contenu évidemment toujours plus quali. Comme celui-là, là où on s'apprête à traumatiser un Korogu à vie. Hein. Bon, ça m'a l'air pas mal là. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est ça. Alors. Là. Est-ce que ça suffit si j'en mets qu'un en fait? Je me demande, je pense que oui. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Salut! Salut Katoru! Alors attendez. C'est pas assez haut, c'est pas assez haut. Hein. Merde, j'ai pas. En fait, c'est même pas du tout ce que je voulais faire en plus. Hmm. 270 followers sur le Twitch, let's go! Trop cool! Yo, salut MB! Bon, attendez, faut que je fasse mieux. Faut que je fasse mieux que ça, là. On peut faire mieux, bordel. Ah, mais ça, en fait, c'est pas mal. Ah, ouais. Ah, oui, en fait, ça, c'est pas mal du tout, ça. Là, on va le prendre comme ça. Oh, il va faire un de ses vols planés. Ok. Oh oui, j'ai si hâte, ok. Je mets ça en haut, on va mettre ça aussi. Ok, vous êtes prêts? Ah, tu fais une rampe. Ouais, en fait, je fais un tremplin. On va le catapulter. Je sais pas si ça va marcher en vrai. Hein. Mais on va tenter de le catapulter, le ref, là. Vous allez voir un peu l'idée, vous allez voir. Genre là, là. Ah mince, attends, faut que je mette un caillou peut-être. Non, c'est bon, ok, parfait, lourd. On continue. Il va me falloir mes deux planches. Oh, ah si, si, mais ça va être fou, j'en suis sûr. Là, je vais prendre ma planche 1, je vais la mettre avec celle-là. Ok. Oui, oui, mon ami, oh là là, non, je suis embêté, tu peux m'emmener le voir, il est où? Il est là-bas? Ouais, mais on va aller là-bas. Si j'arrive pas à 100% le jeu, c'est parce que celui-là, je l'aurais perdu. Hein. Vous vous en souviendrez? Ok, c'est parti. Alors. Ok. Yo Adjussi, merci beaucoup pour le follow sur Twitch. Ah, ça y est, une nouvelle personne qui arrive. Bonjour à tous, installez-vous confortablement. J'espère que vous allez kiffer. Alors aujourd'hui, ça joue à Zelda là. Et là, on est en train de faire un peu des Korogu. Alors là, je suis en train d'essayer de voir. Oh, vous avez vu l'angle. Oh. Alors moi, il faut que j'arrive à sauter en fait. C'est ça l'idée. Je sais pas si vous voyez le truc un peu. Là, vous commencez à voir un peu l'idée que ce que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, vous êtes en train de voir un peu... Là, je pense qu'il faut mettre ça un peu plus là. Hein. Ok. Alors. Ah mince, bon, il va falloir que je mette un caillou pour bloquer. Je vais devoir mettre un caillou pour bloquer, je pense. On va le mettre là. Mais mince, je fais n'importe quoi. Ouais, n'oublie pas, t'as collé le Korogu. Ouais, ouais, j'ai pas oublié. Oh, c'est parfait. Ok, là maintenant on va le mettre là-haut comme ça. Oh, je pense qu'on est prêt à le satelliser là. Oh, je pense qu'on est prêt à le satelliser là. Ah, si vous avez jamais vu un décollage de SpaceX, là, vous allez voir ce que ça donne. Hein. Oh merde, non, non, non! Bon, en tout cas, on a la preuve que ça marchait. Hein.
Oh non, je suis dégoûté! Non! Bon, c'est pas grave, plan B. Plan B, plan B, plan B, tant pis. Oh, j'ai tellement le démon. Oh, on a passé tout ce temps pour rien, c'est pas grave. Donc, on va voir la deuxième idée que j'avais vue. Franchement, ça va être une dinguerie, vous êtes pas prêts? Oui, ça marche. Magnifique. Ok. Vous êtes prêts? Est-ce que vous pensez qu'il va partir bien droit? Mais il m'emmerde! Excusez-moi, hein, on est en train de faire un peu des réglages là. Ah voilà, là, oh là, il est bien. Là, il est pas mal. Ok, c'est parti, on y va. Ouf! Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Oh non, il est mort si vite! Oh, c'était si rapide! Oh, je m'attendais. Mais je m'attendais. Oh, mais je m'attendais à ce qu'il décolle si lentement! Je m'attendais pas à ce que. Oh, mais c'était mieux encore que le tremplin en fait. Il a fait comme la daronne à Billy, oui! Il s'est fait catapulter comme la daronne à Billy! Bon, bah voilà. Allez, on va chez les piafs maintenant. On a fait assez de conneries là pour aujourd'hui. Petite pomme de pin. Allez, voilà, ce live a bien commencé. Tu l'as allumé, il a décollé direct. Ah, il a attendu vraiment 0 seconde. Hein. C'était instantané. Ah, on va pouvoir prendre mon fameux cheval en plus, là, c'est trop cool. Parce que. Le fameux cheval que. Ouais, je voulais. Bon. Alors, non, mais attention. Les chevaux, faut savoir que. Préparez-vous. Ils ont des noms, c'est normal. Je les ai commencés, je les ai fait vraiment quand Zelda Breath of the Wild était sorti à l'époque et je me les suis transférés. Donc, en fait, je streamais pas encore. J'étais beaucoup plus jeune, vous vous rendez compte. J'avais 5 ans de moins. Je me souviens de Zob. Non, 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 rien à voir. Donc on va juste faire très vite, voilà. On va prendre celui-là, hein, particulièrement. En fait, j'ai voulu l'appeler Bob. J'ai voulu l'appeler Bob. Et bon, bah, j'ai mon doigt a ripé. 50 de moins, c'est énorme, bien sûr. Bien sûr, 50 de moins, c'est énorme. C'est gigantesque, 50 de moins, vous vous rendez pas compte. Voilà, donc bon, bah, on va monter sur Bob. Bob, évidemment, qui est un énorme cheval. Hein. Il est gigantesque. C'est lui-même. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je comprends que vous puissiez être impressionné par Bob. Mais il n'y a pas à avoir peur. Il est très gentil. Hein. Ah, je ne peux pas ramasser des trucs quand je suis à cheval. Je peux pas ramasser de trucs quand je suis sur Bob. Voilà, pour les biens évidemment de Twitch et de l'audience, on va l'appeler Bob. Hein, mais ouais, il s'appelle Zob en vrai. Hein. Je crois que je l'appelais Zob. Hein. Ah, je crois que là, ouais, j'avais 20 ans. Hein. Ah, petit déficit de maturité de mon côté ici. Sachez que je suis encore capable de faire ça. Hein. J'ai 25 ans. Zob le vigoureux, lui-même. Zob l'inarrêtable. Bien sûr. Faut que je change d'armure, hein, il m'a dit, le monsieur. Ah non, il veut pas sauter. Bon, ça va bien, les. Par contre, non mais frère, t'es énorme. C'est le cheval de Ganon, il veut. Il
il passe pas une petite falaise. Alors on y va. Donc l'objectif, c'est d'aller tout de suite vers Ebra, comme ça on fait les piafs et puis on n'en parle plus. Je vais peut-être cuisiner un petit coup par contre. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Je suis en sport, j'arrête pas de m'arrêter. Il faut que je foute le feu là. Voilà, nickel. On a foutu le feu au camp et au feu. Et à la marmite. Ah, le feu s'allume pas. Oh, c'est terrible. Ah, on a perdu 4 personnes sur TikTok suite à la blague de Zob. Un Zob qui a peur... Un Zob qui a peur d'un trou dur à comprendre. Ouais, là, elle est technique, celle-là. Bon, bah tant pis, alors. Hein, tant pis pour le repas. On y va. Tout droit. C'est parti. On y va à dos de Zob. C'est bien par là que je dois aller. Hein. Oh, j'aime trop cette musique. Un Zob sur un Zob. La Zobception. Oh, notre ami! Ah, le frérot qui nous donne des plats de dingue à chaque fois. Alors là, il faut que je mette... Ah, elle est assez facile, celle-là, d'énigme en plus. Hop là. Facile, elle est facile. Ah mince, mais ça marche pas parce que je suis pas dans le bon sens. Hop là. Et ouais, c'est ça, mon gars. Normalement, c'est bon. Hein. Ouais, lâche pour voir. Ah, c'est toi. Merci encore pour le coup de main. Bah, comme tu peux le voir, j'essaie d'installer Groseillier ici. Mais enfin, bon, tu peux voir que j'ai un petit problème. C'est que tant que le panneau ne tient pas, je peux pas aller voir les autres. Mais que faire? Lâche pour voir. Quoi, tu veux vraiment le tenir pour moi? Ouais, je vais te la tenir, ouais. Oh non, il tient debout, c'est incroyable. Incroyable, il tombe pas. Mais quel génie! J'aurais jamais imaginé que tu sois si intelligent. C'est mi-compliment, mi-on sait pas trop. Allez, il suffit que je fasse ci, ça, hop, et bloque là, je bloque ici. Pop, 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 c'est bon. Et voilà! Et grâce à toi, il est solidement en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Oh, je vois liberté retrouvée. Allez, tiens, c'est pour toi, merci. Qu'est-ce qu'il me donne? Un rubis. Oh non, il me donne de la bouffe d'habitude. Ah non, c'est bon, ça a dû t'ouvrir de l'appétit, toutes ces histoires, non? Allez, laisse-moi donner un petit plein d'objets secrets. Et les boulettes aux herbes pic-pic qui permettent de résister au froid. Et ça, ça régale par contre. Allez hop, prends ça, tire de ma collection perso. Un bon pour une nuit gratos. Allez, je vais aller installer d'autres panneaux, j'y vais. Il y a un piaf derrière, on va aller voir ce qu'il veut. Il contemple là. Je suis prêt à m'entraîner. Il y a un piaf qui regarde un goron de manière vénère. Il est en train de chier là. Il est en train de retenir un P lui, hein. Je reconnais ça. Ça touche de 3 à 4 fois. Attends, j'ai pas compris. M'entraîner aujourd'hui encore. Parce que je veux devenir immense, énorme et sec. En fait, je veux être un guerrier piaf. Mais t'es qui toi? Mais nom d'un bec. Nom d'un bec. Mais j'imagine que tu m'as entendu parler tout seul, la honte. Tu deviens un grand guerrier piaf, toi aussi? Et nous, les piafs, quand on se bat contre les monstres, faut qu'on arrive à maîtriser les courants d'air. Sur l'épée et les courants d'air, on était pas loin, quand même. La potion pic-pic, ah oui, c'est bon, j'ai. C'est pour ça que je m'entraîne ici tous les jours. Tu veux savoir en quoi consiste mon entraînement? Je parie que t'as super envie que je t'explique. Pas du tout. J'utilise en fait mes puissantes ailes, hein, pour repousser et faire rétro-pédaler les balles qui volent dans ma direction. Les balles? Il y a des fusils. Juste un conseil, la tenue piaf, t'as besoin que du bas, ça te fait tout ce qu'il faut. Lourd, parfait. On va pouvoir aller torse-poil dans la neige, là, ça va régaler en fait. Hein. Et qu'est-ce que t'en dis? Tu veux essayer toi aussi? Bien sûr, je vais essayer. Mais allez, je le savais, dans ce cas, laisse-moi tout expliquer. C'est un peu long. Pourquoi il y a un goron qui tient le truc? Je comprends pas. Tu vois, cette superbe tour, on l'a construite exprès pour ça. Le type. Oh putain, il est incroyable. Le type sur la tour, c'est Tabult. Je l'ai embauché pour m'aider. Embauché, carrément. Allez, Tabult va envoyer des balles.
par ici. Mais il va envoyer des balles, comment ça, mais... Il va me roaster, quoi. Par ici, l'objectif, c'est de faire de rétro-pédaler jusque dans le panier mobile. Un total de 12 balles vont voler. C'est cher, 12 balles. Les vertes valent un point, les rouges valent 3. T'es ilien, t'as pas d'aile pour toi, c'est pas gagné. Rassure-toi, t'as le droit d'utiliser tous les outils et les pouvoirs à ta disposition pour les renvoyer même... Ouais, ok. Je demanderai 20 rubis histoire de... Oh, mais quel escroc non, mais ça va. Au nord, c'était les Gorons. Allez, parfait, je vais te préparer tout ça avec ta bulte. Mais je viens de me faire scam, là. Je viens de me faire racketter, là. Ça, c'est des marchés itinérants. Ça, c'est des racketteurs itinérants, ça. Allez, tout est prêt, mon pote, c'est parti. J'ai les bras qui me démangent. Ah, mais il va juste me molester, en fait. Je m'arrêterai pas jusqu'à que ce soit terminé, d'accord? Ok. Oh putain. Ok. Attendez, attendez, que je réfléchisse une seconde là. C'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Bah non, c'est pas du tout ça. Oh si, c'était ça! Il faut 20 points, c'est ça, il a dit? Je suis à 10 là. Oh! Oh le move de fou que je viens de faire par contre! Honnêtement c'est... Je vais pas parler trop tôt mais j'ai l'impression que c'est pas trop compliqué en vrai. Je suis à 17. Après il s'arrête, il a dit qu'il en envoyait combien en total? Oh putain c'est fini. C'est fini. Bon j'ai raté la première, c'est pour ça je crois, non? Bouge pas, j'arrive, mais il m'en a pas envoyé beaucoup des rouges. Hein. Allez au moins j'ai fait de l'exercice avec cette histoire. Non mais attends, t'es un ouf. Bon les balles, ok, mais je pensais qu'il allait me tirer dessus, moi j'étais complètement dans une dimension parallèle là. Ouais t'as marqué 17 points. T'as vraiment fait un super score, ah ouais? Je crois que j'ai sous-estimé les Iliens, en tout cas, toi t'es vraiment fort. Merci de me remontrer ça, et voilà la récompense, un rubis violet. Ouais. Billet violet. Comme lui d'ailleurs, il est violet. Tu veux réessayer? Bah non, je viens de gagner que 30, ça va aller quoi. En tout cas, il est stylé, hein. Bon, il retient un P, mais il est stylé. J'aime beaucoup. Hop là. Non, pardon. Ok, on est reparti. Tout droit. En avant toute. Vers... Oula. Vers le glitch. En avant toute vers le glitch. J'aime trop cette petite musique là, quand t'es à cheval, ça régale. Hop. Passer sur la droite ici. Toujours à droite, hein, bien sûr, dans le doute. Comme en politique. T'es sûr que c'est là? Non. Je suis la route. Salut Thomas! Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Non, non, je suis la route, hein, vraiment, je me pose pas de questions. Et je suis la route. Voilà. Alors là, faut que je prenne un virage un peu sharp là, ici. On évite les ennemis, on évite les ennemis. On n'est pas là non plus pour... Oh, c'est quoi ça? Comment il va, remis du triathlon? Et ça va en vrai. Hein.
Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de courbatures que ça. Donc je suis assez content, franchement ça va là, je marche mieux aujourd'hui. Lundi c'était un délire. Lundi en plus j'ai fait 30 km de vélo parce que moi je vais au taf en vélo. Donc entre les allers-retours et tout j'ai fait 30 km de vélo. Je peux vous dire qu'à la fin de lundi j'étais vraiment, je faisais pas le malin. Hier soir quand même en stream, j'étais en train de m'endormir, j'ai cut un peu plus tôt que... Non, enfin non, j'ai pas cut plus tôt que prévu, mais j'aurais pu jouer un peu plus, mais j'étais vraiment en train de m'endormir, donc j'ai arrêté. Et là aujourd'hui ça va, je me sens mieux. En vrai aujourd'hui je me sens mieux, je me sens un peu plus reposé et tout, donc ça fait du bien, hein, c'est... Ça m'a pris quand même, on est mercredi, ça m'a pris 3 jours, hein, lundi, mardi, mercredi entier pour m'en remettre, quoi. Et j'en refais un dans un mois. Le but c'est de faire moins de 2 heures. Cette fois j'ai fait 2h10. J'ai fait 2h10 à celui-ci pour le premier. Le but c'est de gagner 10 minutes sur le prochain. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant, hein, on va s'entraîner et tout, et puis ça va le faire. Hein. Oh, t'es venu à ma rescousse. Toujours les mêmes distances? Ouais, toujours les mêmes distances. Donc c'est 750 mètres de nage. 20 km de vélo et 5 km de course. Voilà. T'es venu à ma rescousse? Bien sûr, je suis venu t'aider. Je sais pas qui t'es, mais je suis venu t'aider, mon ref. Merci mille fois. Bon, je m'étais mis en route pour apporter des vivres et le son de mon corps. Ah oui, le son de son corps. Oh, donne-moi ton corps, babe. Au village Piaf, qui est confronté à une terrible tempête. Mais alors que je venais de partir, le sol s'est ouvert devant moi et je suis tombé dans cette énorme fosse. Mon cheval s'est fait la malle et je sais pas. Et je ne sais où mon chargement est fichu. La phrase est très étrange, elle est très mal écrite. Il ne me reste plus que mon chariot. Je n'arrive pas à escalader la paroi et quand bien même j'y arriverai, je ne veux pas partir sans mon chariot. Je sais vraiment pas quoi faire. Je te suis reconnaissant d'être venu à ma rescousse, mais je me demande bien comment est-ce qu'on va sortir de ce trou paumé. Attends, mon Zob et moi, on va réussir à t'aider, mon pote. Donc le chariot, le charial. Let's go. Oh, la petite trompette là qui fait du bien. Oh, on peut faire des chariots volants. C'est absolument incroyable. Alors par contre là c'est collé que d'un côté. Ça marche le même si c'est collé que d'un côté. 30 km avec un petit smiley. Oh, ça va, c'est pas si balèze que ça, 30 km, franchement. Vous pensez qu'une seule, ça fonctionne? On va voir. Hein. Alors, faut bien que je réfléchisse aussi au fait que je vais monter avec le chariot, mais il faut bien que je me dirige, ouais. Attends, hop. On va essayer de faire ça comme ça, là. Oula. Ouais, il va peut-être me falloir une batterie, je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on va avoir besoin d'une petite batterie. Normalement, j'en ai... Non, j'en ai pas. Ah si, là. Batterie de rechange. Sortir de la sacoche. Tac. Nickel. Je vais la poser là. Je vais la poser là-haut, là. Et je vais me mettre dans le chariot, évidemment. Moi, je vais monter dans cette dinguerie. C'est parti. Ça marche pas. Ça marche pas. Stop, il faut arrêter. Putain. Voilà. Il faut une deuxième... montgolfière. Il faut un deuxième ballon. On va en prendre un deuxième. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, mais j'ai pas pris le bon truc. Mais putain, c'est quoi? Mais quoi? Ah voilà, j'arrive. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. En tout cas, sa petite musique là, elle est bien. Oh, la petite trompette là. C'est le sax guy. Vous vous souvenez de ce truc là? C'était à l'Eurovision, ça, je crois. Oula, c'est approximatif, hein. Moi, j'ai trouvé d'une manière éclatée. J'étais trop déçu. Fais un shield surf et appuie sur, sur plus. Attends, ça permet de faire quoi, ça?
Oula. Attends, shields. Oh, mais je peux. Par contre, avec une pierre, ça fonctionne. Shield surf et plus. Bah, il se passe rien. C'est pour un glitch de dupli. Ah oui, ok, ok. Bon, on verra plus tard ça. Éventuellement. Hop, ok, c'est parti. Comment ça, ça a trouvé d'une manière éclatée, j'ai pas compris. Tu veux dire ça, là? Oh, y a plus de batterie, là. Allez. Non. Si, c'est bon, ça passe pile poil, par contre. Ça passe pas du tout pile poil. Bon, le problème, c'est pas... Voilà, le problème, c'était qu'on était contre le mur. Non! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Vin Diesel, là? Rendez-vous au premier virage, là. Il nous fait comme ça dodge au départ, là. Sinon, il faut faire monter le mec dans le chariot. Mais vous pensez que je peux attraper le gars et le mettre dans le... Et putain! Oh, l'équilibre. They see me rolling. They hate it. Non, c'est bon. Vous pensez que ça passe, ça? Ah non, mais... Ah, mais elle est morte, la batterie! C'est pour ça que ça marche pas. J'avais pas vu. Oula. J'avais pas vu que ma batterie externe était plus dedans, là. Tout s'explique. Il faut que le gars, il puisse s'asseoir. Et comment je fais pour le mettre dans le truc? Ah oui, mais parce que c'est vrai que lui, il doit remonter aussi. Parce que moi, j'étais parti pour le chariot, là. Il veut vraiment pas se mettre dedans, il faut que je lui reparle. J'arrive pas à ce qu'elle a des parois, combien j'y arriverais? Ah, si seulement on pouvait m'évacuer de... Bah grimpe dans le chariot. C'est pas une blague, t'es sérieux? Pff, moyen sérieux quand même, mais... Et hop là. Ça y est, je suis dans le chariot, mon ref, ok, ok. Faut juste parler, ok, ouais, non, c'était ça, c'était ça. Ok les gars, on a la vie de ce gars sur nos, entre nos mains là. C'est important. Faut faire attention. On peut pas faire n'importe quoi avec la vie de ce mec. Alors attendez, je vais quand même... Il me fait peur le chariot, je vous jure, il me fait flipper. C'est bon? On est parti? Raté. Allez. Ça part. Wouh. Vers l'infini. Et le... Ah mince. Ah non, c'est bon, vers l'infini. Et au-delà. Oh, c'est incroyable. Le truc saute. Un truc de feu, une seule montgolfière. Non, une seule montgolfière, tout à l'heure, ça a pas marché, ça le soulevait pas. Je suis enfin sorti de ce maudit trou. Ouais. J'étais tellement nerveux que mes lunettes se sont embuées, du coup j'ai pas vu grand chose, mais tu m'as fait tirer d'affaire, non? Sans toi, je serais sans doute resté coincé au fond de ce fichu trou encore un bon moment. Allez, maintenant que j'y repense, tout s'est joué quand le cataclysme a frappé. Si je n'avais pas paniqué et faussé compagnie aux brides, sans prévenir, je sais pas qui c'est les brides, je me serais évité bien des soucis. Sans compter que les vivres que je voulais apporter au village du Piaf sont fichus, en fait. Ok, je m'incline. Ah ouais? Ah, vous pensiez pas que ça allait marcher? Moi, j'ai réussi pourtant. Ah putain, mais moi, j'ai pas réussi. Je crois que je ferais mieux de rejoindre les brides. Les brides abattues. Je serais plus utile aux côtés de mes compères musiciens. Ah, et c'est peut-être lui qu'il va falloir qu'on ramène voir la fée. Qui ne veut pas sortir tant qu'on lui fait pas un petit concert, là. Ah bon, mais tu connais pas les brides abattues? C'est une troupe de musiciens qui se produit dans les relais aux quatre coins d'Hyrule. Et en ce moment, je crois qu'ils sont du côté du relais de la forêt, dans la région d'Or... Quoi? Une fois que la troupe sera accomplie, on fera vibrer le cœur et les oreilles d'un tas de gens. Allez, voilà pour te remercier, j'ai ramassé ça sur le chemin. Ok, attendez, mais relais de la forêt, c'est pas...
Honnêtement, je pensais qu'on allait aller plus haut. Je suis un peu deg. Je l'aurais vraiment emmené très très haut. Mais dans tous les cas, ça aurait servi à rien parce que je m'attendais à ce qu'on ait la cinématique de quand on tombe, mais non. Allez, si on se recroise un jour, j'espère que tu auras l'occasion de les écouter jouer. Bah oui, c'est le but. Relais de la forêt, relais de la forêt. Alors j'imagine qu'ils sont plusieurs comme ça, c'est ça? Parce que si je prends la carte, relais de la forêt, c'était lui ou pas? Non, ça c'est le sanctuaire. Il est où ce relais là? Fort du Guet. Ah non, le relais de l'orée de la plaine, c'est celui-là où il y a la fée. Donc c'est pas les mêmes en fait. Et le relais de la forêt, c'est lui. De la rivière. Putain, on va tous les faire. Non. Bon, ils sont pas là. L'antenne relais. Le point relais. Ah, putain, oui, ils sont loin en fait. Ok, le relais de la forêt, ils sont là. Je suis au même moment que toi, je te conseille d'aller voir les piafs. Bah ouais, justement, c'est ce que je voulais faire, ouais. Le point relais, mais j'ai déjà fait cette vanne en plus sur le point relais, je crois. Faut que je retrouve le moment où je le dis dans le stream, ça fera un TikTok, ça. Ça, c'est le genre de blague de merde hein, que je fais tout le temps. Alors, il est où mon cheval, là, mon fidèle Zob, il est là. Ok, je te conseille de prendre la nourriture enduro pour y accéder. Ah ouais? Il va falloir que j'escalade des trucs, c'est ça que vous êtes en train de me dire, là? On a quand même perdu deux batteries dans cette histoire. Hein. Parce qu'on rigole, mais deux batteries quand même. Hein. Ça va vite. Hein. C'est quoi là-haut là? C'est un relais encore ça ou... Vous voyez sur la droite là. Oh! Il y a une cascade qui s'arrête pile poil là quoi. C'est Breath of the Wild? Non, c'est Tears of the Kingdom. C'est le nouveau, ouais, c'est Tears of the Kingdom qui est sorti il y a 2 semaines? 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Ah non, mais c'est un truc avec des ennemis en fait. J'ai totalement raté la tête. Boum! Oh! Oh, mais attends, on peut l'envoyer. Bah, je vais l'envoyer en point relais, justement. Oula! Non, mais par contre, ça va bien. Non, mais attends, il m'enlève combien de cœurs? Bon, je vais arrêter de faire le débile. On va commencer à se taper pour de vrai, là. Non, là, c'est pas possible. Je suis en train de me faire molester. On va prendre de la pomme. Hein. Les pommes dorées, il y a moyen que je fasse des trucs avec, je pense que oui. Hein. Les pommes d'or, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que je peux faire des bails avec les pommes d'or. Hein. Bon, on va commencer déjà par leur faire perdre leur... Rien à voir. Là, on va commencer un peu par leur faire perdre les armes. Là. Alors, je vais utiliser la grenade flash. Elle est où la grenade flash? Elle est là, la grenade flash. C'est comment déjà que je fais? Ah non, c'est pas ça, c'est... Là. Voilà. Et c'est là que je fais ça. Et là, on met de la grenade flash. Vous allez voir, oui, c'est devenu CSGO. Ne vous inquiétez pas. Donc là, nous, on est les antiterroristes. Hop, grenade flash. Voilà. Grenade flash, grenade incendiaire, évidemment, ça c'est... Vous connaissez les bails, hein. Bon, ça reste des petits ennemis. Ah ouais, là, faut que je fasse la technique du bouclier. Pour récupérer des flèches. Oula! Ouais, yes. Bon, tant pis. Nickel, ça. Venez-en, on va le faire cuire, hein, tant qu'on y est. Pareil pour les champignons, pareil pour tout, ça régale, nickel. Petit arc boco, c'est de la merde. Et là en bas, il n'y a rien, ok, bon, cool. Faut que j'utilise les pommes de pin d'Hyrule, tu les brûles et tu voles. Ouais, ça marche bien ça aussi. Alors lui là, il faut lui envoyer une bombe. Et ça le fait péter.
Voyez, alors attendez. Maté, guetté, guetté, guetté. T'es déjà allé au château? Ouais, j'y suis allé. Oh, guette-moi ça là. Guette ça, chacal. Oui, mort. Si blessé. Je pète ma bière. Maloubeloul! Alors, par contre, je peux pas le looter, quoi. Par contre, voilà, on peut pas le looter. C'est un peu ça le problème. C'est que c'est super drôle, mais on peut pas looter les trucs après, quoi. Toi aussi, t'as joué à l'ancien car t'as le cheval de Ganondorf. Ouais, ouais, j'ai joué à l'ancien, ouais. Aïe, 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 le Domac compromis. Pourquoi le Domac compromis? Qu'est-ce qu'il a? Tu peux pas siffler ton cheval? Si, je peux le siffler. Si, si, oui, mais si, c'est vrai, en plus, je peux le siffler. C'est le déluge. Aïe. Mais pourquoi Domac? Je comprends pas. Ah non, mais c'est juste. Ok, tu nous. Tu nous racontes ton petit. Mais attends, mais c'est pas la finale de la Ligue des Champions ce soir? Mathis, yo, merci pour, merci beaucoup pour le follow. Oh! Comment est-ce qu'on va l'aider lui? Cette compétition est finie, faut passer à autre chose maintenant. Mais elle est pas du tout finie, c'était. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, fini, oui, quand t'as le sub, elle est finie. Alors attends. Il risque pas de tomber sur le côté. Il va tomber devant. Donc il faut juste que je fasse ça. Salut Lolo! Parce que du coup, vous le regardez avec Mika le match ou pas? Parce que moi j'avais dit que je viendrais pour la finale aussi. Aïe. C'est en juin la finale. Vraiment? Vous la regarderez tous les deux, je suis mort, putain. Essaye de coller une fusée au bouclier et vise, c'est rigolo. Mais j'ai déjà fait ça, je crois. Alors attends, on va aligner ça. Et je vais juste mettre genre ça pour le faire tenir. Ah, ça fait peur au cheval, ça. Non, 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 mais il s'en va où là? Voilà, je pense que c'est bon là. Ah, c'est encore toi, allez, merci. Oui, installé, que faire? Lâche pour voir. Nickel, ça marche. Nickel, il y a des pubs. Il y a des pubs de Squeezie avec un lien pour aller sur son live qui apparaissent sur l'écran. Oh, le débauchage sauvage. Mais non, c'est vrai, vous avez des pubs de Squeezie sur mon live, mais quoi? Comment ça, mon ref? Oh, je rêve. Comment ça, Squeezie? Ça essaie de voler les petits streamers, quoi. Je suis outré. On dirait bien que Lucas va devoir m'inviter dans une de ses vidéos, hein. Pour s'excuser, bien sûr. J'ai pas de pub, moi. Vas-y, mets un screen. Mais, prends un screen, Pegasus, s'il te plaît, de la pub, pour voir, ça peut être marrant. Oh, je vais le taguer, c'est quoi ces conneries? Il y a un chapeau avec un lien, regardez. Mais non, mais c'est... Putain, c'est énorme. Alors du coup, il faut que je prenne une fusée, que je la colle sur mon bouclier et que je vise. Ouais, non, mais oui, mais je veux dire, je vais... Oui, je vais juste m'envoler. Parce que j'en ai pas beaucoup des fusées, en vrai, j'ai pas envie de les... J'ai pas envie de les gâcher, là. Alors, ah, il y a un pont, là. Trop tard, j'ai pas le screen. Ah, mince. Ah oui, du coup, l'histoire du domac, en fait, c'est juste, t'avais envie de manger un petit domac, quoi. Aïe, ou pardon, qu'est-ce que j'ai pris là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah putain, ok, wow, 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 ok. Oh, la zob qui prend, là, le zob hein, qui prend un maximum de dégâts ici. Ah, mais il y a des lézards et tout, là. Dommage, on est que 9 sur TikTok, tu mérites tellement plus, lâche pas, mec. Ah, oh, mais c'est trop gentil, merci, vous êtes trop mime, ça met des messages comme ça dans le chat. Oh, quoi? Ah, oh, mais c'est vrai qu'attends, je peux attaquer. Attends, 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 attends. Non, non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ok, on est remonté. Oh putain, ok, let's go, attention les gars, on va tranquillement.
On va tranquillement repasser sur de la marche. J'ai Twitch aussi, ouais, on est quelques-uns aussi sur Twitch, mais c'est gentil, écoutez, ben, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous engager avec, bien sûr, à liker, à partager, et puis le fait d'être là, c'est déjà le principal, donc ne vous inquiétez pas, tant que vous consommez le contenu, que vous êtes là pour soutenir, et ben, c'est le principal, merci beaucoup, vous êtes trop gentil de mettre des messages comme ça, mais je lâche rien, je kiffe, j'aime trop ce que je fais, ça régale. Des petites... Ah, mais j'ai pas du venaison, je viens pas d'être... Mais où est le... Attendez, mais... Ah, c'est dans les plats cuisinés, d'accord, ok. C'est compté comme un plat cuisiné, ça. J'ai du champote. Bon, on est remonté un petit peu, mais là, j'ai l'impression que je me suis fait prendre en embuscade. Ah oui, mais sacré embuscade, par contre, là, du côté du ref, là. Oh, je vais faire une dinguerie. Oh, let's go. Oh, des baies grillées, ça régale. Ou juste, tu voles. Ah, ouais, ok. Ouais, c'est ça, ouais, sur le bouclier, en fait. Les cornes... Alors, apparemment, les cornes de lézal, c'est super fort. Hein. On va essayer, lui, de le prendre à revers. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, il essaie de me faire son petit numéro, en plus, là. Hop. Il va quand même pas se retourner maintenant. Non mais, c'est scandaleux, bon pas grave, il est mort mais... Oh tout ça pour ça, j'en peux plus. Ça marche plus le bug de quand tu siffles, non? Non. Ça marche plus, je peux vous le confirmer, ça ne marche plus. La corne de lézal noir c'est plus 25 d'attaque, ah ouais c'est violent quand même. Hein. Ah voilà, reviens par là Zob s'il te plaît, merci c'est gentil. Allez mon fidèle destrier. Prends le verre avec Zob. Hop. Il faut faire demi-tour là. Ouais, je sais que t'as un gros cul, mais on va y arriver. Ah, voilà, c'est parfait. Ah, ça, c'est la vie de conducteur d'un SUV, hein, bien sûr. C'est difficile de faire des demi-tours à 180 degrés en ville. Est-ce que directement là dans la neige, je prends cher ou pas? Non, ça va. Prends le partenaire avec des obs, c'est mieux. Ah, c'est les vraies techniques du cheval, hein. Les cornes de lézal d'argent, c'est la tête d'une faux. Ah ouais? La gazette des bois. Ah, c'est là! On m'en a tellement parlé, ok. Ah bah oui, il y a écrit presse, trop drôle. On va se mettre en RP du coup. Où est l'armure là? Après, j'ai pas grand chose de plus. Hein. Ouais, voilà, moi je suis un barbare moi. Je suis un barbare, bien sûr. Une tornade ZDZ, il est en train de taper sa meilleure sieste. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient dit ça, il y a une tempête de neige ou un truc comme ça. Oups, je me suis endormi. Je dois la récupérer quelques fagots de bois. J'ai bien compris que les pommes de pin d'Hyrule ne faisaient pas l'affaire. J'ai pas envie, mais il faut quand même y aller. Ah, le relais piaf, ah non, pas du tout ici, c'est la gazette des bois. Désolé, je n'ai pas fait exprès, les vieilles habitudes ont la vie dure, bien sûr. Ici, je m'occupe juste de la maintenance. Alors, si t'as quelque chose à voir avec la gazette des bois, demande à l'intérieur. Pomme de pin. Depuis quelques temps, on trouve de plus en plus de pommes de pin d'Hyrule dans les parages. Ça va être le climat. Ok. J'ai tenté. J'en ai jeté une dans le feu. Elle a brûlé bien plus intensément que prévu à cause de l'huile qu'elle contient. Ah. Elle s'est enflammée avec une telle férocité que ça a créé une tornade. Quoi? Tous les journaux se sont envolés. Ils sortaient tout juste de la presse. Ah ouais, mince, il a foutu le bordel quand même. Tu l'as lu, la tenue barbare, je saurais plus te dire, je vais essayer de regarder. Je l'ai eu dans une quête qu'un PNJ m'a donnée. Et j'oublie pas les Korogus, bien sûr. Ah, j'avais pas vu, pardon, ton message, bon, allez, moi je dois aller manger, je te souhaite une bonne fin de live. Merci beaucoup, merci d'être passé, Jules. Et bien sûr, on n'oublie pas les Korogus. Objectif, c'est de doubler un Korogu pour le prochain Zelda, les gars. Ça, ouais, parce que j'ai un Korogu, en fait. Ça a causé pas mal de soucis à la gazette. Ici, c'était mon relais avant. Mais ça, c'était avant. Mais la vague de froid a fait des ravages, tous nos clients sont partis. C'est pour ça qu'on a dû fermer et que j'ai vendu au lieu... Ah, le lieu à la gazette, ok. Comme je n'avais nulle part où aller, je suis resté ici pour donner un coup de main. Mais elle est terrible son histoire, attends, il... Le pauvre. Il a vendu le bâtiment et maintenant il est SDF. Il s'amuse à jeter des pommes de pin dans le feu. Enfin, il est sans abri, quoi. Et son histoire, c'est horrible.
Comme j'ai pas l'habitude du genre de travail, je fais encore pas mal d'erreurs. Oh non, le pauvre! Mais il faut que je lui donne des fagots, du coup. Ah, mais il s'est rendormi, je suis mort. Non, il veut pas que je lui donne de fagots, en fait. Hein, il... Merci beaucoup, CM, pour le follow. Oh, c'est terrible. Bon, bah voilà. Donc, on retrouve notre ami, le journaliste. On va surveiller les relais. Et merci pour le follow, Frog, aussi. Vous êtes les boss. Chut, notre rédactrice en chef, Bourgette, est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. Si t'as besoin de questions, adresse-toi à moi. Si t'as des questions, adresse-toi pas à moi. Je suis son assistant, quelque sorte. Oh, mais c'est toi! Bon, en fait, vu que je te connais, on peut totalement la déranger. Ça pose pas de problème, en fait. Eh, c'est pas dommage, hein, que tu sois là, là. Bon, depuis le fort du guet, ça fait une sacrée trotte, hein. Je suis époustouflé que t'aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Bon, Bourgette. Bon, elle est en train de bosser, mais on en a rien à branler, là. Bon, elle s'est jouée de l'ancien propriétaire pour acheter l'endroit. Non, mais c'est horrible ce que vous me racontez, là. Le pauvre ancien propriétaire, il s'est fait virer. Il s'est fait virer de son propre relais. Et maintenant, il fout des pommes de pain dans le feu. Il a plus rien à faire. Vous l'avez extorqué. De l'extérieur, rien ne le distingue d'un relais ordinaire. Alors, personne n'y prête attention. Mais tu ne t'y es pas trompé. Ton sens de l'observation est remarquable. Si cela t'intéresse, je pourrais te parler de toi à Bourgette. Ah oui, parle de moi, elle m'entend pas là. Nous formerions une équipe de reporters au service de la vérité. Oh putain, ok, c'est un journaliste. Oh, il est pas mal lui. On va sortir la glasnost, la Pravda là. Oh, ça suffit! Pen, je te l'ai dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix! Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête de me raconter n'importe quoi, je ne suis pas joué de lui, compris? Oh, compris, désolé, c'est juste qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait devenir reporter, alors je me suis dit que... Devenir reporter? J'ai jamais dit ça. Voyons voir, non, ce serait pas déjà... Oh! Mais Link! Pen, tu veux bien nous laisser un instant, s'il te plaît? Ah ouais, Pen. C'est Sean Pen. Vous pensez que c'est une ref à Sean Pen ou pas? Je pense pas, mais... il faut qu'on parle, Link. On dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois. Eh ouais, ça t'embouche un coin, hein. Alors, tu penses bien qu'il se passe pas grand-chose sans que je sois au courant. Puis il y a cette requête de Prua, là, qui nous a adressée. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Dame Zelda. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? En fait... perdu la princesse, quoi. Attendez, je vous mets un peu... Je vous mets un peu moins de lumière, là. On se met en ambiance... Oula, pardon. On se met en ambiance posée tamisée sur le stream. Mais non, pas encore. Les piafs, là, justement, on y est. C'est l'objectif du stream, là. Aujourd'hui, je suis arrivé dans la zone des bras, j'ai l'impression. Et donc là, j'y vais, justement, ouais. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Bon, dans ce cas, t'as très bien fait de venir nous voir, en fait. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des quatre coins d'Hyrule. Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda ait été aperçue dans le passé. Et je voulais justement confier l'enquête à Pen ici présent, mais bon, vu que c'est un reporter de merde et qu'il raconte n'importe quoi, je préfère ne pas lui dire que t'es là. Hein. Je ne préfère pas lui dire qui tu es. Pas la peine d'ébruiter l'affaire, bien sûr, parce qu'il ne sait pas garder un secret. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un petit coup de main? Je te demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, hein, même si ça m'arrangerait. Tu veux bien attendre? Tu veux bien attendre un instant? Je vais chercher une récompense sympa. La zone des bras et pas la zone des jambes. Oui. Oh mais oui, mais c'est bien parce que je vois que vous matchez mon humour. Je vois que vous matchez mon humour et ça me fait plaisir parce que je me sens un peu seul quand même de temps en temps à faire des blagues de merde. Heureusement, Mathéor est là pour me soutenir. Et là, il y a Jules qui est arrivé. Et ça y est, on commence à former un petit peu un collectif. Le collectif des blagues de merde. Et moi, j'aime ça. J'aime ça, je trouve que c'est bien, c'est bien. Là, on se régale, merci. Non, mais vous me faites du bien, vous me faites du bien. Allez, je te donnerai cette splendide tenue complète de batracien. Batracien, rapport aux oiseaux, hein, bien sûr. Hein, parce qu'on est dans la zone des oiseaux, là. Comment ça, je fais des blagues de merde? De quoi? Allô? Il y a de la friture sur la ligne, là, je vous entends pas. Mince. Allô? Allô, allô, allô. Pas, pardon, ok, c'est... Ah, elle est finie... Avec elle, finit les glissades quand escalade les parois humides. Mais quel rapport avec le froid? Tout ce que je te demande en échange, c'est donner un coup de main à peine.
Bah, je veux bien, mais tu. Ok. Je me moque pas de toi. Non, après, je vais pas, quand même pas cracher sur la soupe. Elle est pas dégueu quand même là. Et c'est une nouvelle en plus. On va faire le même groupe que dans Zelda. Ouais, c'est ça. Allez, Pen, c'est bon, tu peux revenir. Je suis à deux doigts de taper 10 heures de route juste pour venir te goumer. Je suis mort. Voilà, moi je veux une armure de piaf comme lui, quoi. Allez, je te présente ton nouveau partenaire. Ah, c'est allé très vite. J'ai donc vu juste, tes qualités ont également impressionné Bourgette. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Bon, allez, avec peine, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Passe me prendre, passe. Ils vont monter une équipe. Les relais sont des lieux de rencontre, alors vous y entendrez bien des choses intéressantes. À vous de jouer. Peine et marin, mais que sur les bateaux à voile. Peine et marin, mais que sur les bateaux à voile. Ah oui. Je suis mort. Putain, vous me fumez. Bon. Oui, Oïs, Pen, oui, mais je la lirai pas à voix haute. Je la lirai pas à voix haute, vous m'avez eu une fois. Vous m'avez eu une fois, vous m'aurez pas deux. Archive fermée jusqu'au retour de la responsable Fruguette. Ben, je... Mais ils m'ont menti les deux là. Mais ils m'ont complètement menti, cette bande de mythos. Ah oui, donc lui il veut que j'aille de suite avec lui faire la quête du coup, j'imagine. Ok. Bon là il y a des fagots de bois mais ça va servir à rien. Ah là-haut il y a un sanctuaire. Ah ça peut être bien d'aller faire le sanctuaire en vrai. Ça peut être cool d'aller faire le sanctuaire. Je vais vite grailler. Ouais, yes. T'es dans le sud ou le sud-ouest, on va te retrouver. Ça y est, je vais me faire goober. Parce que j'ai insulté les blagues de Mathéor. Parce que j'ai. Non, j'ai qualifié correctement les blagues de Mathéor en plus. Je suis mort. Et Rose, merci beaucoup pour le follow sur TikTok, vous êtes les boss. On est 12, bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous confortablement sur ce petit live Zelda Tears of the Kingdom. Je saurais pas dire exactement combien d'heures de jeu j'ai. Je commence à en avoir quelques-unes quand même. T'as qualifié ma blague aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça. Écoutez, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez un compte sur Twitch, à venir vous follow à la chaîne. Le pseudo est juste au-dessus de la caméra. Notes227 sur Twitch. Eh bien, ça ferait grave plaisir si vous pouviez venir lâcher votre petit follow. On a une petite chaîne, ça stream quasiment tous les jours. Donc forcément, ça me soutient énormément. Et ça fait plaisir, et comme ça vous avez accès à toutes les notifs, à tout le Discord, tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis dispo, sur lesquels je crée du contenu. Donc si vous kiffez, eh bien n'hésitez pas, ça régale. Alors là on va faire ça pour débloquer au moins le plan de... Le point de sauvegarde, et je vais faire ça avec un... Stop les petits talkers. Hop. Là. Non, pas ça, parce que non, ça j'en ai beaucoup trop. Alors que ça, j'en ai pas beaucoup, alors que ça j'en ai beaucoup trop. Ça brûle pas des masses quand même. Ah si. Hop là. Raconte-nous une anecdote en vif. Une anecdote? Mais quel genre d'anecdote? Allez, là on est 10. Oh, je vous raconte une anecdote. Je trouve 10 fois mieux les streams en petit comité. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Attends, du coup, je vois pas ton pseudo. Ah, mais si, mais t'étais là déjà, toi. Parce que je vois que t'as pas de pseudo. C'est pas fou rire ou un truc comme ça, ton pseudo. Parce que du coup, je vois rien sur TikTok, mais je revois la photo avec l'avatar blanc et les deux taches noires là, et ça me dit un truc. Je crois que t'étais là pendant le premier live, pendant le premier week-end où on jouait à Tears of the Kingdom, je crois. Anecdote en vif, rapidement, je vous la sors comme ça. Alors, vous me dites, on fait concours d'anecdotes comme avec McFly Carlito, là, si vous connaissez un peu. Une anecdote courte, j'ai vécu pendant que j'étais à Tokyo au Japon, j'étais modèle pour une agence et j'ai passé un casting pour la pub de Smash Bros.
Et du coup, j'ai dû jouer, j'ai dû faire semblant de. On m'a filé un Joy-Con et j'ai dû faire semblant de jouer à Smash Bros. Avec un mec que je connaissais pas. Et je me suis fait recal. Parce que c'était super cringe. Voilà. Ah, je vous. Elle est vive. Elle est vive. Il me faut. Alors, c'est quoi que je dois lancer là? C'est là. Ah, mais c'est ça en fait. Oula. Ah! Pas du tout, pas du tout, absolument pas. Hop. Vous pensez que c'est que ça? Attends. Il y a un truc avec les flèches comme ça, si tu tires une flèche avec des bombes, ça l'active. Parce que là, techniquement, je mets ça là. Bon, c'était très simple. C'était très très simple. Voyons voir celle d'après. Oh, il y a l'air d'avoir des trucs sympas là. Ok, alors. J'imagine qu'il faut se servir de la deuxième fusée pour monter. Oh, c'est stylé. Ah, elle a rip-hop. Ouais, ok, okay, c'est ça. Oh, on va pouvoir faire un truc de ouf. On va pouvoir faire un truc de malade. Putain, mais d'ailleurs, c'est vrai que je me souviens de ça, mais j'ai raconté cette anecdote-là de truc du Japon et tout, et je l'ai jamais posté sur YouTube. Je voulais mettre une vidéo sur ça et je l'ai jamais posté. Je crois que j'ai perdu le stream du coup. J'ai perdu le stream où j'en parlais, ça veut dire qu'il va falloir que je le re-raconte. Putain, je suis con. Ça, c'est à force de pas être assidu sur le post des rediffs sur YouTube, ça. Je déconne. Alors attendez que je la mette dans le bon sens celle-là parce que sinon je vais juste faire des allées. Je vais juste faire des zigzags en fait. Ok. Oh c'est stylé par contre hein. Oh mon salaud, let's go. Oh je me catapulte là. Dommage. Alors ouais, pour avoir le coffre, il aurait fallu que j'aille plus haut. Allez plus haut. Ah non, il y en a là. Alors, je vais changer de bouclier. On va... Ah non, je peux faire ça. Je peux prendre un rebond. Non, ça marche pas. Vas-y, je te laisse 5 minutes. Je vais aller faire un truc avec le daron. Ok, pas de soucis. À toute. Alors, on va peut-être prendre celui-là, sinon... C'est pas grave, il fait 25, c'est pas grave. Et je vais essayer de... Merge ça. Alors, pardon, c'est ça. C'est pas ça, c'est celui-là, là. Et on va faire un bouclier propulseur. Incroyable, ok, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est énorme. Ça, pour le coup, on l'avait vu, cette fonctionnalité-là, dans le trailer. Et le petit rubis brut. Ouais, la dernière fois, j'ai essayé d'en mettre un sur un bouclier, ça s'est pas passé comme prévu. Ok. Ah oui, je viens de perdre beaucoup, beaucoup de vie par contre là. Il se passe quoi si... Ça marche pas, je peux pas me mettre dessus. Faut que je prenne un chariot encore, vous croyez? Je pense que c'est ça. Hein. Hop. Je pense que c'est ça l'histoire, on va prendre le chariot là. Oh, je vais faire une dinguerie. Ok. Ok. Et le dernier, on va essayer de le mettre genre à l'arrière là. Comme ça. Ah oh, ouais. Je suis pas buzz l'éclair moi. Je suis pas buzz l'éclair moi. Amalgame bouclier. Non, 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 regardez-moi ça, là. Voilà!
beaucoup plus impressionnant. Attendez, mais on me donne 3 fusées, je vais utiliser les 3, vous êtes des oufs. Ah bah bien sûr, attends, je suis pas Buzz l'éclair moi, là c'est du Elon Musk là ce qui se passe ici. On se régale. Lueur bienfaisante, et là du coup maintenant j'en ai... Non j'en ai 3, je pensais que j'en avais 4. Dommage. Et je récupère tous mes cœurs, ça fait du bien. Mes cœurs perdus bêtement tout seul. Rematéor, il a oblitéré son repas, il est de retour. Non mais ouais, mais c'est parce que... Qu'est-ce que tu vas me sortir? C'est bon, toutes les ronces ont été mises de côté. Alors là, il faut que j'arrive à monter. Ah mince, j'aurais dû prendre une... T'inquiète. Est-ce que je peux retourner dedans? Qui a la ref? Ça, c'est ma fusée. Ah non, je l'ai pas. Incroyable cette ref. Ah ouais, mince, non, moi je l'ai pas. Attends, moi j'ai juste... La ref du coup du gars qui monte sa voiture là, qui fait... Est-ce que c'est celle-là en mode... À 300 km/h, on est qu'à la moitié de l'accélération. On est condamné à prendre de la vitesse. Est-ce que c'est celle-là ou pas, ou c'est un autre truc totalement différent que je connais pas? Clem, merci beaucoup pour la rose, ça régale, le boss, merci. Alors, on va essayer de monter. Donc là, pour ça, il faut que je sorte une fusée. J'ai pas fini la phrase de me faire ban par le bot. Ah ouais? Ah ouais, non, alors. Enfin, je sais pas s'il y a des ban auto ou des trucs comme ça, mais... Ça, c'est Étienne le beau leader. Oui, c'est lui. Let's go. Ah, mais les fusées, c'est à usage unique. Moi, je dis, tu dois faire toutes les tours avant l'histoire principale. Ah, il y a de l'idée. Mais ça, en fait, je comprends pas parce qu'ils m'ont mis ça comme un bouclier, mais c'est relou, en fait. À la fois, celui-là, il est quasi mort, en vrai. Il permet de réduire la consommation des... Ah ouais, ok, bah c'est bon, allez, c'est quoi, on va les changer. Voilà, tant pis pour le lance-flamme, c'est bon, c'est pas grave. On continue, hein. Bah, on va aller à la tour là-bas, de toute façon. On va aller à la tour de là-bas. Enfin, je dis on va aller, je vois pas trop... Ah si, il y a un chemin sur la droite. Oh coucou, j'espère ne pas avoir manqué grand chose. Non, 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 on est là. Ah, il est là. On va essayer de tomber directement sur le zob. C'est le nom de mon cheval, hein, si jamais. Ne me jugez pas, je l'ai fait il y a 5 ans. Ah, je suis allé un peu trop loin, là. Allez, hop, on va s'asseoir tout de suite sur le zob. Bon, bah, j'ai raté. Fais un shield surf avec ton bouclier tremplin. Ah ouais, bonne idée, ça. Vous me donnez des idées comme ça, vous aussi. Incroyable. Ah non, il est mort. C'était à usage onique aussi. Rip. Rip in peace. Oh non, le pont est cassé. Ah, t'inquiète, Maros. Oula, ouais, je dis t'inquiète quand même. Je sais pas trop comment je vais faire là. Accès strictement interdit aux personnes dépourvues d'elle. Chez. Non. Il n'a jamais lâché son... Qui n'a jamais lâché son sob avec un canton de tige. N'a rien compris. Oh putain. Elle va te donner la solution, ok. Ah la vie. Alors depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les piafs, les provisions ont été envoyées. C'est très bien. Mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. Reviens en arrière avec ton pouvoir. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. Même en plein jour, le soleil ne se montre pas. Il fait froid, je vais devoir me jeter une pomme de pin d'Hyrule dans le feu, là. Ce truc brûle bien. Un peu trop bien, même. Chaque fois que je mets une dans le feu, je suis tout ébouriffé.
D'ailleurs, une fois, Pagol en a jeté une dans le feu et à côté de la pile de journaux, ils se sont. Oui, ça, je sais. Pris par le souffle, ils ont été emportés jusqu'au village Piaf, de l'autre côté de la vallée. Ah oui, non, mais toujours plus. Je te raconte pas le bazar. Et je peux pas joindre les deux bouts, je suis obligé de mettre une pomme de pin là. Parce que moi je serais bien chaud d'y aller en cheval, je peux pas y aller par la droite. Ça me paraît étrange quand même ça. On va essayer d'y aller par la droite. Oh! Mais ça va regeler de toute façon. C'est drôle ça. C'est quand même bon à savoir hein, ce truc-là parce que si jamais j'ai un combat à faire ou un truc comme ça, obliger les pommes de pin, ouais. Vous êtes sûr que là sur la droite ça passe pas genre? Il y a un arbre bizarre ici là. Attends, il est super chelou cet arbre là, qu'est-ce qu'il fout là? Ok, il y a des œufs, bon, on va faire des omelettes. En fait, on peut peut-être passer, mais c'est plus long, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer? Ah non, mais là, ça c'est pour aller au village. Moi, je veux pas aller au village. Moi, je veux aller à la tour. Des pommes de pin au feu comme le Hobbit. Oui, de fou comme dans le Hobbit. Non, non, ouais, moi, je veux aller à la tour, là. Après, à la fois, depuis le village, je crois que je peux sauter et aller tout droit, hein. On va peut-être aller au village en premier du coup. Allez, je vous fais confiance. Bon, je peux y aller de ici, non? Ah, mais j'ai pas de feu là.